kasi akoti kangai te nyonso na kosala alongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo ekamwisaka ngai ata na ntangwa pasi akoti kangai te nyonso na kosala alongisaka ngai Notre Père qui est où?
ton nom soit sanctifié et ton règne. Lorsqu'ils eurent prié, le résultat, l'endroit où ils étaient rassemblés, cet endroit trembla. La Bible déclare, cet endroit tremble. On ne peut pas prier le Père et que rien ne se passe. Comment ça se fait que tu pries depuis longtemps, ta vie reste la même? Il faut faire ce qu'on appelle l'auto-examen, l'auto-étude, l'auto-critique. La vie spirituelle n'est pas comme une courbe de l'économie que François Hollande est appelé à rehausser. Non. La vie chrétienne, nous pouvons commencer. Oui, mais il y a encore ça, mais la tête. Mais il faut sentir que tout est en train de progresser. Il y a des gens comme ça qui sont devenus des archibébés spirituels. Parce qu'actuellement, on parle des archibishops. Donc, nous avons encore la archibébés spirituels. Si nous avons un débat du genre, est-ce que parler en langue est vraiment biblique? Est-ce que vraiment le baptême du Saint-Esprit est un solo? On a mis à l'ingé un qui signe l'esprit. Tout, il ne faut pas saler la tête. Mais ma sœur, je vais vous dire ma sœur, nous sommes dans la case de l'air. Pour la plupart, on va battre ça sous qui commande ça. Parce que je vais vous passer par là. Et il y a sous qui nous sommes. Vamos a ver si hay alguien que va a vamos a ver si hay alguien que va a ver. La dit: confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, vous réussissez. Vous avez oui, parce que tu t'es confié, c'est pour que je te donne les ordonnances qui peuvent. Yom, te font mes acquis. Moi, je te prescris les médicaments, c'est à toi de prendre les médicaments. Je ne sais pas si tu as dit que allez au professeur, n'a qui si nous faut prendre non. Chacun a sa part. C'est pourquoi Péniel sera un endroit de transformation, un endroit d'étude. Ça sera un camp de la prière. Nous allons t'apprendre les rudiments de la foi, la manière dont il faut prier. Vivement Péniel 2014. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur avec les appels? On ne peut pas prier le Père et que rien ne se passe. Lorsque les disciples ont élevé la voix pour prier le Père, la Bible déclare l'endroit où ils étaient réunis trembla. Pour dire qu'on ne peut pas l'invoquer, on ne peut pas les célébrer, on ne peut pas s'adresser. D'ailleurs, la Bible dit gloire soit rendue à Dieu de nous inspirer ces versets. Un fois, comment je ferai quoi? On ne peut pas invoquer le Père sans réponse. C'est pourquoi Élie, devant les 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, tu sais comment il s'est moqué d'eux. Priez Dieu. Vous avez vu qu'ils ont un taxi. Parce qu'on ne peut pas invoquer le feu de l'Éternel, Dieu le Père, sans qu'il se passe un signe. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons les prier de telle sorte que aujourd'hui, ici dans ma Bible, les lieux étaient tout tremblant. Mais cet après-midi, nous allons les prier de sorte qu'ils puissent te guérir. Amen. Dans ma Bible, on dit, ils l'ont invoqué, ils l'ont prié. Le lieu sur lequel ils étaient réunis, Seigneur tremble. Le lieu de tremblement des terres. Le lieu de temps où ça mêlait. On ouvre la pauvreté, on ouvre la richesse. Amen. On veut jamais le bien. Amen. Là, on va à mon blanc, on a fait des mots. Dans le milieu, l'autant qu'on s'amène. On ouvre la bonne mort, on ouvre la libre. Amen. Dans le milieu, l'autant qu'on s'amène. Dans le milieu, il y a ma téléphone à quoi. On va nous travailler, ma fille, là, on est une zone marché. Ça va, on va tout à fait dans le la prière doit laisser des traces dans ta vie. Dans Beignet, parce que nous sommes dans Beignet, voyons Beignet. La Bible déclare que cet homme qui a lutté avec Jacob, la Bible déclare, voyez que Jacob était persévérant. Qu'est-ce que cet homme a fait? A bêté une coffre, n'a pas été. Comment vous allez au sein de la trace à Djambéni? Comment vous allez au sein de la témoignage?
parce que tu relâches facilement. Au bas de la courbe, mais sauf au moni, c'est multiplié au débarraté. Oui, bitumba, 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 et tu vas dire, bitumba, et Zali en colo. Il faut que tu apprennes à lutter. Il faut que tu apprennes à batailler. Il faut que tu apprennes à prier. Si Jésus, l'homme le plus chanté, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, lorsque Paul parle de cet homme, la Bible dit, en lui était incorporée toute la nature de Dieu. En lui, il était incorporé, il était Dieu sur la terre. Il priait. Et le miracle s'accomplissait. À combien plus fort toi? Tu crois obtenir sans prier? Tu crois te marier sans jeûner? Tu crois chercher, tu crois trouver un travail avec Hérode qui se présente, qui t'empêche d'accéder dans ta destinée? Tu crois y arriver avec facilité? Tu crois tout obtenir sous forme des emballages préfabriqués, pré-emballés? Non, la vie est une lutte. Pour prêcher comme je prêche, c'est un travail, frère. Pour prier, pour devenir fort, il y a un travail derrière, frère. La vie est un combat, mais apprends à prier. Et il est trace, permet à Dieu de traverser ta vie. Tu ne peux pas continuer dans cette maladie. Tu dois te mettre au-dessus de la mêlée. Tu n'as pas été appelé pour cela. Tu as été appelé pour être en bonne santé. Est-ce que je vais dire ça, quelqu'un? Tu as été appelé pour quitter l'état de la mort à l'état de la vie. C'est à cela que Dieu t'attend. C'est à cela que Dieu t'appelle, frère. Mais le problème, c'est nous. Lorsque nous avons le rapport de Pierre et de Jean, nous ne nous mettons pas à prier. C'est ça le comble. Nous nous lamentons, nous blêmissons. Et pourtant, la Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous verrez la guérison s'accomplir. Vous verrez le miracle s'accomplir. Vous verrez vos vies changer. Vous verrez l'impossible devenir possible. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Les dieux que nous prions, il y a les dieux qui écoutent la prière. La différence avec les religieux apprennent à prier. Mais la vie spirituelle nous apprend que Dieu est celui qui répond à la prière. Que Dieu bénisse cette parole. Car les disciples ont prié, les lieux sur lesquels ils étaient réunis étaient tous tremblants. Et en conséquence, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce sont les trois dimensions qui interviennent après la prière. Le lieu tremble, c'est-à-dire que Dieu change ta situation. Dieu te montre qu'il a attesté la prière. Et en deuxième, Dieu te remplit de son esprit. Le diable n'a pas peur de ta volonté, ni du nombre des études que tu as faites. Le diable a peur de la présence permanente de l'Esprit de Dieu en toi. Et en troisième lieu, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est cette assurance-là que Hérode et Ponce Pilate avaient combattu. Pourquoi? Parce qu'avant Yoka, présence permanente, il y a Hérode dans la ville. Le diable ne voudra pas que tu sois dans l'assurance. Et nous avons un peu de temps l'assurance. Sois mon policier. Ok. Après ça, on va encore ma Philistère. Ma Philistère va moi. Alors, dans le silence, attends.
tu vois, assurance, moi. Et y a quand même un sambéli et que nous avons attesté rien. Est-ce que vous avez un bon amour? Oh, j'aime l'homme! Vous savez, ma femme, vous êtes
sens, mon Père, mon envie de la prière. Nous ne pouvons pas sortir de ces lieux avec cette maladie qui était trop. Amen. Moi, je n'aime pas les dieux des spectacles. J'ai besoin des hommes qui ont besoin que l'endroit de leur vie grand. Des gens qui ont besoin d'une vraie trace de Dieu. Là où tu es. La Bible déclare l'endroit où ils étaient réunis trembla. Et ils furent tous, je dis bien tous, remplis du Saint-Esprit. J'ai besoin de véritables personnes qui aspirent au don de l'Esprit, qui aspirent à la guérison, qui aspirent à l'intervention divine. J'ai besoin de véritables soldats. Des personnes qui peuvent faire trembler l'endroit de leur vie. Il y a ton bonheur. Tu aspires au don de l'Esprit. Viens, nous allons prier ensemble. Cet endroit, je suis en train de le transformer. Dans le bon de l'ensemble. Périphérique au Nios. Samba Wendango d'une manière exceptionnelle. Geste de jour aux salles. Il y a place aux amis, il y a côté les mains. Les amis empruntent. Tu ne peux pas sortir de cette campagne de prière avec ton ancien état. Il faut que le lieu sur lequel nous sommes réunis tremble. Il faut que tu quittes la puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Je suis en train d'appeler la gloire de Dieu. Je dis bien Seigneur ta gloire. Aujourd'hui je n'ai pas besoin d'un ange. Que tu descendes de cet endroit. Seul papa viens. Nous voulons rester à Peniel. Nous avec toi. Toi avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la main pour vous bien. C'est ma présence en Zambé. Thank you.
Thank you.
Voilà,
Je te demande
Tu m'as toujours exaucé. Dans le nom de Jésus. Si tu es malade, touche-le. Et celui qui était venu avec une douleur. La Bible déclare, tu as pris nos douleurs. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Nous allons nous asseoir. Parle un peu plus fort. Après tant de passer, le but de la campagne, quand il est ici, ou au moins il y a un problème, il y a un bossu qui s'en est allé. En un jour de la campagne, il y a un bossu qui s'en est allé, il y a un stand de là. Je sentis le lourd membre de la campagne, il y a un boule membre de la campagne, il est loué. Quand il y a un endroit, il y a un jour, il y a un endroit, il y a un endroit, il y a un témoignage. Il y a un loué. Quand je suis chaque jour, je vais à l'église, je suis allé, je suis allé, je suis allé. J'ai dit na butu na lali na zomo na mukuma wa ya lati elamba ya peme a lati elamba peme a zusu ko sani mwa brizare kina mai a zusu kina mai wana lobi konai wana ni kulai no kama na yuko tatu lepan zambi oza ni ose estuma yume kata bona na ngai kama na bi kistani. Merci beaucoup. Tu as guéri quelqu'un du rhumatisme ici. Là où tu es. Et j'ai pas compris, on me montrait en cœur l'estomac. On montrait l'estomac, on dit pas, c'était un grand estomac, l'estomac vraiment. Et dans l'estomac, il y avait vraiment des plaies, il y avait des trucs bizarres. Et la personne en question, quand elle mangeait, et la nourriture, ça passait pas vraiment dans son estomac. Et au fait, la personne, on montrait l'estomac, mais il y avait une grande plaie là. Et je comprenais pas. Et en fait, ça m'a fait peur de voir l'estomac comme ça. On me montrait pour moi les organes de l'estomac. Il y avait vraiment des douleurs et je n'ai pas compris. Quand je me suis réveillée, j'ai dit le Seigneur, c'est quoi cette rêve? Est-ce que c'est moi qui est malade ou je ne sais pas, tu veux me parler à propos de quelqu'un? Je ne sais pas. Ou peut-être que c'est une maladie de fécule, je ne sais pas. Mais j'ai pas, en fait, j'ai dit comme ça, mais je n'ai pas prié. Et en venant là, j'ai entendu cette prière. Après, je ne sais pas si Dieu veut faire quelque chose à propos de moi. Ça, c'est la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?